Chers téléspectateurs, bonjour à tous. Aujourd'hui, on continue avec de nouveaux mouvements du sabre du Treizi. Fangzhou, tu es prêt? Oui, allons-y. Avant de commencer le nouveau cours, révisons les anciens mouvements. Pousser le navire dans le sens du courant. Dégager les airs pour chercher le serpent. Le tigre noir parcourt la montagne 1. Maintenant, enchaînons les mouvements. Découvrons les nouveaux mouvements que nous allons apprendre durant cette séance. Maintenant, voici le mouvement « Les fleurs cachées sous les feuilles 1 ». Sabre dans la main droite, enroulez la tête de gauche à droite jusque sous l'aisselle gauche, en position de l'arc. Bien, regarde-moi le faire une fois. Maintenant. Bien. Lorsqu'on enroule la tête avec le sabre, on part de la droite et on le ramène sous l'aisselle gauche. On le refait une fois ensemble. Allons-y. Les fleurs cachées sous les feuilles 1. Prêtez attention au mouvement des mains. Maintenant, on va apprendre « Le roc déploie ses ailes ». Enroulez la tête de droite à gauche, ouvrez, tirez. Ensuite, levez le genou, position unipodale. Bien, regarde-moi le faire une fois. Ok, fais-le une fois. Lorsqu'on enroule la tête, on colle la lame contre son dos, puis on ouvre rapidement. La position unipodale doit être stable. Bien, on refait une fois. C'est parti. Le roc déploie ses ailes. Maintenant, voyons le tigre fougueux s'abat sur sa proie. Posez le pied droit, avancez le pied gauche, piquez. Regarde-moi le faire une fois. On pose le pied, on avance, on pique. Ok, fais-le une fois. Bien. Quand on pique, la force doit arriver dans la pointe.
On refait une fois. Le tigre fougueux s'abat sur sa proie. La force doit atteindre la pointe. Maintenant, enchaînons les mouvements. Amis téléspectateurs, restez avec nous. Une courte pause et on revient de plus belle. Démonstration en groupe du premier enchaînement des techniques de sabre du Taizi. Maintenant, pratiquons ensemble tout le contenu de la séance. Quels sont les points difficiles de la séance? Les fleurs cachées sous les feuilles 1. La difficulté est l'enroulement de la tête. Lors du mouvement, le revers du sabre doit coller le dos. Le roc déploie ses ailes. La position unipodale avec la montée du genou doit être stable. Les deux mains doivent s'ouvrir simultanément. Le tigre fougueux s'abat sur sa proie. Le pas et le piquage sont simultanés. L'énergie doit arriver au niveau de la pointe. Nous allons refaire ces mouvements en se concentrant sur les points difficiles. Les fleurs cachées sous les feuilles 1. Le roc déploie ses ailes. Le tigre fougueux s'abat sur sa proie. Quelles sont les différences et les liens entre le Taizi Chuan et le sabre du Taizi? Le sabre du Taizi est l'une des formes d'armes utilisées dans le Taizi Chuan. Toute arme est le prolongement du bras, son maniement suit les principes des mouvements à main nue. Il en est ainsi pour le sabre du Taizi, qui a pour base le Taizi Chuan, en ajoutant les spécificités du sabre pour créer une forme d'arme. Ainsi, pour bien pratiquer le sabre du Taizi, il faut déjà bien pratiquer le Taizi Chuan. Si on maîtrise ses principes de base et qu'on sait les mettre en pratique, alors son étude est bien plus rapide. Aujourd'hui, nous avons terminé l'étude de la première partie de la forme de sabre du Taizi. Regardons-la encore une fois.
Démonstration de la forme de sabre du Traidi en entier. Panjo, ces derniers jours, tu as fait de gros progrès. Merci, professeur Wang. Pratiquez bien de votre côté. La séance s'achève, on se retrouve à la prochaine séance. Au revoir. À partir du prochain cours, on va étudier la deuxième partie de la forme. Continuez bien à suivre notre programme.